Bismillah, as-salatu wassalam ala rasulillah. Nous parlons à présent du salut. Le salut ici, on va le définir dans le contexte islamique comme étant le fait, n'est-ce pas, d'être à l'abri, n'est-ce pas, d'un mal ou encore d'un méfait. Et plus précisément, c'est d'être à l'abri du feu de l'enfer. Allah dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah » Il dit, toute âme va goûter à la mort. Vous n'aurez la récompense de vos actions qu'au jour de la résurrection. Il dit, toute personne qui sera préservée de l'enfer et introduite au paradis a s'être réussi, a donc obtenu ce qu'on va appeler le salut. Et donc, Inch'Allah, le salut, hein, voilà, de façon large, ou bien la finalité, c'est ce qu'on va définir comme étant ici. En d'autres termes également, on va dire que le salut, c'est, n'est-ce pas, d'être en harmonie avec sa conscience, d'être en harmonie avec son Seigneur, d'être en harmonie avec la société. Et c'est tout cela, n'est-ce pas, qui va concourir à faire de nous des hommes qui ont obtenu le salut. Et donc, cela est fonction préalablement d'un certain nombre de choses. Premièrement, pour avoir le salut, il faut être croyant, il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas réussir. Allah dit, certes, au jour de la résurrection, Allah dit, Faman, il dit, Inna dina inda Allah l'islam, wa man yabitaghi ghayra l'islam ad-dina, falan yuqbala minhu, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Il dit, la seule religion qu'Allah reconnaît, c'est l'islam. Celui qui aura été adepte d'une religion qui n'est pas l'islam, il dit, à cette, n'est-ce pas, hein, il sera parmi les perdants. Qu'Allah nous préserve de ça. D'abord, c'est d'avoir la foi, être croyant. Et deuxièmement, c'est de faire les bonnes actions. Et troisième aspect du salut, donc, c'est d'être en harmonie avec la société. De ne pas être injuste. Parce que le prophète nous explique dans un hadith, il dit à ses compagnons, il dit « Atadurun al-Muflis ». Il dit « Est-ce que vous savez celui qui est pauvre au jour de la résurrection ?» Les compagnons ont dit « C'est celui qui n'a pas de bien, il n'a pas d'argent. » Il a dit « Non, c'est quelqu'un qui viendra au jour de la résurrection avec une prière qui a été acceptée, son jeûne qui a été valide, son pèlerinage qui a été valide, mais il a été oppresseur envers les gens. Allah va prendre l'injustice dont les gens ont été victimes dans ses bonnes actions et puis va rétribuer à ces personnes-là. Et de sorte qu'au finish, il était destiné au paradis, il va se retrouver en enfer. » Donc, Inch'Allah, il faudrait qu'on travaille dans le sens vertical et dans le sens horizontal, à harmoniser notre relation avec notre Seigneur Allah Tabarak wa Ta'ala et également à harmoniser notre relation dans notre environnement. C'est en ce sens-là, Inch'Allah, qu'on sera des musulmans complets et c'est sûr que dans de telles conditions, on va obtenir le salut. Qu'Allah fasse qu'on soit des hommes qui obtiendront le salut ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Barakallahu fikoum. Alors là, nous allons parler du salut. C'est le point central de tout l'évangile. Depuis le commencement, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le salut a toujours fait partie du centre de la parole de Dieu. Depuis la Genèse, la Bible nous dit que Adam et Ève ont désobéi à Dieu et par leur désobéissance, la mort et tous les ingrédients de la mort sont rentrés dans l'humanité. La maladie, la souffrance, les problèmes, les difficultés, le stress, c'est ça qui sont les ingrédients de la mort. Et s'il n'y avait pas cette erreur, le salut n'allait jamais rentrer en vigueur. Le plan du salut n'allait jamais rentrer en ordre. Ou le plan du salut n'allait jamais se réaliser. Le salut, ce n'est rien d'autre que le plan divin de Dieu pour sauver l'humanité. Lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, Dieu devait mettre ce plan de salut-là en marche pour pouvoir retrouver ses enfants qu'il a perdus. Et ça, on peut voir ça en Genèse le chapitre 3, Genèse le chapitre 4. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternel, c'est-à-dire qu'il est le salut. Donc, Dieu a envoyé son Fils afin de sauver l'humanité de ce déraillement, de ce chaos, sauver l'humanité de cette perte, de cet éloignement de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ a été révélé comme étant le Fils de Dieu pour apporter la solution à l'humanité, pour donner cette possibilité à l'humanité qui est perdue d'être sauvée et de revenir
dans la bergerie. Et par la suite de cela, comment est-ce que quelqu'un peut véritablement bénéficier du salut? La Bible déclare que il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. Il faut retenir d'abord qu'au préalable, le salut ne vient pas d'un autre peuple. Le salut ne vient pas d'une autre race, mais le salut vient des Juifs. Alléluia. Dieu, dans sa préscience, devait sauver aussi le reste de l'humanité. Donc, il a permis qu'il y ait cette incrédulité afin de permettre aux autres nations de se greffer à l'évangile et de bénéficier de ce salut-là, afin que les autres nations aussi puissent devenir mais des enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Parce que la Bible dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu » dans le livre de Jean, le chapitre 1. Et la Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc, on reçoit un pouvoir, mais un pouvoir pour devenir enfants de Dieu, pour rentrer dans ce plan merveilleux de Jésus-Christ. Nous pouvons dire que le salut, c'est le fait d'être sauvé de l'état de péché ou de la damnation éternelle. Le salut de l'âme. Ça, c'est le dictionnaire Larousse qui n'a rien à voir avec la chrétienté, qui donne ce genre de définition. Ça veut dire déjà que l'être humain doit savoir que son salut dépend de Dieu. Et son salut, c'est le fait d'être délivré de l'état de péché. Donc le salut, c'est délivré du danger et de la souffrance. Et le verset qui me plaît beaucoup dans la Bible, c'est, et pas que les autres ne me plaisent pas, mais Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas le monde chrétien seulement, c'est tout le monde. Voilà pourquoi il faut savoir que la Bible, c'est le code de la vie de tout le monde, ce n'est pas seulement que pour les chrétiens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. C'est-à-dire que quiconque croit en lui est le salut. Donc le salut, c'est délivrer une personne du péché, de la damnation, de la condamnation éternelle. Et nous sommes sauvés de quoi? D'après la doctrine chrétienne du salut, nous sommes sauvés de la colère de Dieu, c'est-à-dire du châtiment de Dieu pour nos péchés. Et Romains chapitre 6, verset 23 dit que le péché, c'est le salaire, la mort, c'est le salaire de tous ceux qui pêchent. Alléluia. Et le salut biblique implique notre délivrance des conséquences du péché, donc l'effacement de ces derniers. Maintenant, qui nous sauve? C'est Dieu seul peut ôter le péché et nous délivrer de son châtiment. Je maintiens bien, selon 2 Timothée 1 et 9, Tite chapitre 3, verset 5, c'est Dieu seul qui peut ôter le péché et nous délivrer de son châtiment. C'est-à-dire que le salut ne vient que par Dieu, par Jésus-Christ seul. Comment Dieu peut te sauver? D'après la doctrine chrétienne du salut, Dieu est venu pour sauver, pour nous sauver par Christ. Selon Jean chapitre 3, verset 16, on va faire cette petite lecture. Jean chapitre 3, verset 16, je pourrais même dire le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas, excusez-moi, envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, voici un bon verset qui nous rappelle que le salut seul ne peut s'octroyer que par Jésus-Christ seul. Et la délivrance par la grâce de Dieu du châtiment éternel à cause du péché accordé à tous ceux qui acceptent par la foi les conditions divines de la repentance et de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Le salut est disponible pour tous, seulement il est disponible en Jésus seul et dépend de Dieu seul par son nom, son assurance et sa sécurité. Dieu nous bénisse. Nous voyons ce mot qui est très souvent employé dans le corps du Christ. Nous voyons des évangélistes, des personnes appelées par le Seigneur prêcher l'évangile.